L'idée, ça te donnera. On avait Isaac qui est ici, Sébastien qui est là. S'il avance, qu'est-ce qu'il va faire? On va le suivre. Mais quand tu vas voir, on fait une première ou c'est pas sur lui? On peut changer. La permutation, ce soit Sébastien qui permute avec Atou. Allez, on va le faire là. Il y en a une où c'est petit qui fait une trame de saut et une où c'est lui qui inverse. 51, vert. Vous voyez c'est quoi, c'est imposé ici là. Ouais, c'est la passe qui est là, la variante ouais. C'est donner à quelqu'un. Ouais. C'est un sac qu'on est bloqué. On sait que ça bloque, qu'est-ce que je fais? Je lui prends le ballon un peu là. Pam. Ouais. Pour du repos demain, tu te mets au repos complet parce que c'est le jour du match. Deux jours de repos. Ouais. Par rapport à hier. Tu me dis là, j'appuie un peu plus. C'est bon ça. Tu ne sens rien. Non. C'est bien. On débute la compétition et de notre prestation aujourd'hui dépendra un petit peu de notre tournoi, hein, ne serait-ce qu'au point de vue du résultat, hein, mais aussi par rapport à l'image qu'on va renvoyer de notre jeu, de notre potentialité. On se doit d'être exemplaire, hein, au niveau de notre tenue. C'est pour ça que nous insistons sur votre tenue donc à l'entraînement, nous insistons sur votre tenue donc lors des déplacements. Donc là, qu'il n'y ait pas de faute là-dessus. Hein, qu'on soit habillés tous de la même façon. Hein, on a suffisamment de matériel pour être équipé. Hein, et nous avons suffisamment de moyens pour donc porter haut le fanion, le drapeau français et le jeu français. Hein, je crois qu'il faut avoir cette responsabilité. Et on a mis des lancements de jeu qui vont privilégier toutes les lignes, toutes les pénétrations dans toute la ligne. Par contre, la priorité, ça sera le jeu qu'on va mettre en place. Donc je rentre vers l'axe du terrain pour croiser, pas avec le premier, qui va se positionner en sauté extérieur, mais avec le second. Donc ça, on va essayer de mettre en place. Si dans la partielle, par rapport à ça, le premier va ouvrir la position. On n'est pas de l'autre côté, avance, plus près, voilà, avance. Restez bien lié là, voilà, c'est tout que ça, voilà la balle, voilà, tes bras bien, voilà, plus bas, c'est un petit plus bas, voilà, on avance à petits pas là, et les appuis sont raccourcis, bien bas sur ces appuis là, bien bas sur ces appuis, on le prend les bras, le daki, voilà, tu prends la balle, voilà. Bon, on a une demi-heure à faire, on est concentré du début jusqu'à la fin. On fait pas de conneries, tout ce qu'on réussit, on met pas beaucoup. On met de l'intensité normale, mais tout ce qu'on fait, on le réussit, d'accord? Et on s'applique, hein. Allez, petit, on commence. Ouais.
Stop. Quand il y a pénétration, ils se concentrent, ils se redistribuent pas en défense. Ouais. Si on arrive à les concentrer au milieu, ouais, après on aura les espaces, ouais. Si on reste comme ça sur du jeu latéral, on les sera toujours dans la difficulté. Hein, ouais. Par la fête, les gars. Hein. La fête, c'est nous qui allons la faire sur le terrain. Hein. On se concentre pour ce qu'on a à faire. On se sent serré. Des images comme ça, mettez-vous là. Ça se sent serré. On sent que le bateau est emporté, que rien ne peut nous arrêter. Mettez-vous ces images dans l'approche là. Ah, regardez, à quoi vous pensez. Chacun pense à quelque chose là. La vie, on nous attend. Hein. On va nous faire bander, monsieur, on va nous faire bander. On va se régaler là. You guys have traveled the furthest, so we'll give you the toss. So if you want to toss, you've got a harp on that side, or you've got a stag on that side. Yes, sir. So if you want to toss, and this guy can. Do you want to toss it? That's right. Okay, you toss it, and you can call. Do you have that one? Okay. Okay, you win the toss, okay? Now, Félix, come on! Marchons, marchons, que le sang
Thank you.
Ce qu'on va faire, quand ils arrivent à moitié, vous enchaînez. Allez-y. Ta force, c'est aussi la puissance collective, c'est une équipe qui est capable de produire, donc de créer du danger chez l'adversaire. Et donc il faut une conception unitaire de l'équipe et non pas une conception parcellaire entre la main et trois quarts. Prenons l'exemple, l'action idéale qui débride tout le monde et qui nous permet de mettre en place notre projet. Bon, centre pénètre, là-dessus, point de fixation, on arrive, on rend le ballon sort rapidement, on renvoie le jeu à le même centre, tout le monde aura participé. Et au bout de 2-3 temps de jeu, il y a un ballon porté, on les enfonce au cœur. T'as mis toute la panoplie très rapidement et je dirais, t'as libéré tout le monde. Et après, on voit les points forts et les points faibles, c'est ça qui t'intéresse. Concernant un autre problème aussi, le secteur défensif, même s'ils n'ont pas beaucoup attaqué, quand ils ont attaqué, on était présents, mais on n'aura jamais piqué le ballon, on ne les a jamais vraiment fait reculer au niveau défensif. Là, on a été un peu faiblote. Hein. Donc là, il faut qu'on se reprenne immédiatement et ça va être un gros travail qui va être fait ce matin sur le plan défensif. Tu t'es vu, Vincent, là ? Voilà, mais oui, non, mais c'est ça, hein. Le problème, il est très simple. Là. Notre but en défense, c'est quoi ? Aller chercher. Notre but en défense, c'est aller chercher. Demain soir, ça va être peut-être la clé du match. Plus on ira les chercher loin et plus on les fera tomber, plus on sera efficace. Là, on s'aperçoit que Julien Devise monte. Par contre, Vincent, s'en va en travers. C'est vrai que le fait que la mêlée soit les accès comme ça ne t'aide pas, mais ça fait rien. Il faut quand même continuer à avancer. C'est ça vos repères. Hein, pour bien garder l'intérieur, parce que plus on va aller, comme a dit Michel, dans la compétition, là, ce coin-là, il va être très sollicité, hein. Prends à bout de bras. Prends et arrache. Force pour arracher le ballon après. L'autre résiste, sans se mettre au sol. Là, je participe, démarre, agressif, là, hein. On est pas assez agressif, là. Démarre, vite, démarre. Un semaine intérieur, c'est sur l'extérieur. Avec la jambe extérieure, fléchis. Voilà. Vous, objectif, prendre la largeur, égalité numérique, vous, épaule intérieure derrière pour soutenir. Fais jouer, fais jouer. Jouez, Dégage. Ça fini.
Comment tu tiens le balai? C'est pas mon gars. Mais... Ah, j'espère. Alors, la tenue du club. C'est déjà main gauche, doigt, paume. Je ferme. Pouce devant. D'accord ? À partir de là, bon, j'ai qu'à placer déjà. Oui, il est déjà placé. À partir de là, vient la main droite. La main droite qui chevauche l'index. Voilà. Et qui vient, la paume vient recouvrir le pouce. Voilà. Et je ferme délicatement. C'est pas forcé, hein. Si vous voulez taper fort, vous les épaules. Ça lève ta tétine. Bon, je sais, tout à l'heure, dans ce machin, je suis arrivé. Ça fait un an et demi que j'en fais, mais j'ai rien. C'est bon, même petit, il est arrivé sur le truc là. Yes! En tout cas, on a essayé de vous être agréable. Je voudrais remercier tous les collaborateurs qui vous ont accompagné sur le parcours. Vous savez ce que c'est qu'un club. Maintenant, vous savez lancer une balle. Mais c'est comme en rugby, on traverse bien et on jette bien les mains. Ok, retenez ça. En tout cas, passez dans le Jura d'Aulnois, passez un bon séjour et on vous souhaite une meilleure chance et de gagner, d'être les premiers demain. Ok. J'ai beaucoup de plaisir, merci Max et Alain Kaderman de me permettre de vous le remettre. Je ne vous le remettrai pas individuellement, je pense qu'une équipe c'est un ensemble, c'est des lignes, ce sont les avant, ce sont les trois quarts et puis à l'intérieur il y a des lignes. Alors je demanderai à la première ligne de venir, mais ensemble, parce que c'est ensemble qu'ils vont se battre pour gagner ce match. Sébastien Chelet. Félicitations Sébastien. Le talon. Julien Campo. Julien. Rudy Chéron. Rudy. Les deux secondes lignes. Les grands matchs. Sébastien Pisani. Sébastien. La troisième ligne. Le 6, c'est Vincent Forgue, Toulousain. Vincent. Payo Somme. Merci. Bravo. Vincent Clément, le capitaine. Capitaine. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est un rôle capital. Bravo, les hommes. Alors, c'est Nicolas Larague. Larague, c'est un nom connu. Oui. Guillaume Boussès. Je le connais. Toulousain. Briviste. Briviste, oui. J'ai vu jouer. Pierre Nègre-Gautier, Niçois. Bravo. Celui-là, il est tout seul. C'est le plus beau maillot, celui-là. Merci. C'est un grand match. Et tous les remplaçants. Les remplaçants, c'est... Le racal de Vielle. Ce ne sont plus des remplaçants aujourd'hui, ce sont des gens qui rentrent à tout moment. Félicitations. David Atou, 18. David. Julien Salias, 19. Bravo. Ben Devise, Julien. Voilà, Julien. 21, Michael Babillon. Bravo. Et Max, il vous a tout dit. Alors c'est à vous. Et à vous, ça veut dire AJC. AJC. Sortez pas de ce match en vous disant on aurait pu. Non, faites-le, tout simplement. Allez-y, faites-le. Et vous allez le faire, j'en suis sûr. C'est pas nous, 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 c'est pas nous.
sait qu'on peut compter sur l'ordre. Allez, go. Devant, on retourne au vestiaire. Un peu plus vite, un peu plus vite dans le geste. Et on change de sens. Et de suite, et je me replace. Le ballon tombe pas, les gars. On fait le grand cercle, pas sur la droite. Thank you.
Allez chercher. Allez, allez, allez. Viens ici là, Nicolas, viens chercher, croise avec Pierre là, oui Pierre là, vas-y, oui c'est bien, allez, allez. Allez, il a du talent ce jeune. Là, tu vois, c'est une erreur d'aller à Cabreton après l'opération. Après Non, juste après, parce que le protocole, c'est contraction statique et amener le genou à 90 degrés. Alors ce qu'il faut faire, le premier mois, tu restes chez toi, avec ton kiné, et après que tu ailles après, d'accord, mais d'entrée, c'est pas... Et vous étiez plusieurs de Villeurbanne, il y avait un stage. Ouais, on était trois. Trois, hein. Il y en a un qui s'est blessé. Qui ça? Motet. Ah, Motet, oui. Il croisait peut-être. Là, on les met sur le reculoir tout de suite. Eux, ils se posent des questions, là. Là, ils se posent des questions. Touche après. Touche après et on marque. Imaginez-vous un peu, ils n'ont pas touché le ballon une fois, ils ont toujours reculé. Quand on dit accélérer le jeu, il faut que tout soit parfait au moment de la récupération après la main spontanée. Il faut que ça gicle très vite et que l'ouvreur puisse attaquer le ballon. Hein. Là, si l'ouvreur est obligé de ralentir sur 3 mètres, forcément, ça nous met en difficulté. Attention, ça joue. Cherche Pierre. Vas-y, tu tires un peu là, tu vois un petit peu ce que tu vois. Sur le... Ouais. Je qui autour, ouais. Ils sont. Tu lances en gauche, tu me Bloquez-vous.
Bon, toi ça va? Bien, et toi? Très bon match, hein? Nous avons décidé de faire ce championnat du monde en Franche-Comté à Bourgogne. Et je voulais ici, officiellement, mais avec beaucoup d'amitié, d'affection, dire tout le travail que vous avez effectué, et notamment le comité d'organisation. Je voulais vous remercier parce que c'est une première. Deux comités qui veulent se unir pour réussir une grande fête. C'est finalement un peu le rugby, un sport collectif, et ils l'ont réussi. J'espère que d'ici la fin, tout se passera bien, ça continuera bien se passer. Monsieur le Président de la ville de Bourgogne, un petit souvenir de Dole, donc 20 ans à Dole en l'an 2000. Voilà, alors je ne sais pas, on va peut-être donner ça au capitaine, je ne sais pas comment ça se passe, on va mettre ça dans une valise. Voilà. Ah Nico, celui-là. Voilà. Poteau du milieu. Vous êtes en train de vivre quelque chose de fort. Il vous faut aller au bout de ce que vous vivez là. Et pour le vivre, il faut que vous soyez capable, vous là individuellement, de maintenant jusqu'au coup d'envoi et pendant tout le match, d'aller puiser au fond de vous toute l'envie, toute l'agressivité. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Max, mais pour aller au-delà de vous-même, pour vous surpasser. Ces matchs-là, ils se gagnent qu'en allant au-delà de soi-même. C'est capital, ces matchs ils se gagnent avec ça. Vous n'êtes jamais fatigué, jamais vous vous posez de questions. Par contre, vous vous réunissez pour parler, mais il faut toujours avoir envie d'avancer. Pour avancer en permanence, même quand on est crevé, on n'est jamais crevé. On a envie d'avancer, et pour avancer, il faut aller au-delà de soi-même, il faut se surpasser. Vincent, allez Vincent, je te dis quelque chose ce matin, ok? Allez, bon match. La première ligne. Vous êtes là? Venez là tous les trois. Sébastien, Julien et Rudy. Ils talonnent ces mecs. Quatre ballons aux Écossais à piquer, ok? Alors ça et les plaquages. Moi je me régale, je vous jure, quand je vois les piliers être à 8-10 plaquages par match. Je me régale moi. C'est la base. Quand on met ça à l'intérieur, là, quand les mecs reviennent à l'intérieur, c'est la base. La seconde ligne, pareil. Mathieu. Les mecs. Et Sébastien. Mathieu. Pareil. La défense, c'est les balles, ils sautent, et bien, vous allez sauter plus haut. Ok? La troisième ligne, les deux.
Laurent et Pierre. Là où il y a la balle. Pierre. Troisième lignée, là où il y a la balle. Pierre, ça attaque et ça défend. Ok. Allez, merci. Bon match les mecs. Les demi. Ben, on a l'inverse. Valentin, on a parlé de méthode. Hein, on a parlé de méthode les mecs. C'est vous, hein. Vous organisez. Il faut être toujours juste. Ok. Allez, bon match. Les deux centres. Vous continuez comme la semaine dernière. Okay. Nicolas et Guillaume. Allez. C'est ça. Nicolas, les deux contre un. Je sais pas, je n'ai pas vu moi le match, mais on l'a vu. Hein? Ok. Alexandre et Pierre. Vous, hein, partout sur le terrain. C'est pas loin ça. Allez, bon match, les mecs. Allez. Nicolas. Allez, Nicolas. À moi. Tous les remplaçants, vous venez là ? C'est ça. En même temps ? Et je suis aussi ceux qui n'ont pas de maillot aujourd'hui. Et les gars, vous ? Eh, vous, c'est le plus difficile. Vous n'avez pas le droit de vous déconcentrer sur le terrain, c'est le plus difficile, parce qu'à tout moment, vous pouvez rentrer. Donc vous devez être dans le match à partir de maintenant, comme vos copains. Ok ? C'est bien ça. Allez, bon match. Christophe Albert, après. 17, je ne sais pas. Fabien, Rof. Julien Salias. Devise. Yeah. Antoine Vignotuquet. Allez, bon match. Fred Laralde. Et puis ceux qui n'ont pas aussi. Ouais, Jean-Claude, ils vont venir. Je vais te les présenter. Ceux qui n'ont pas de maillot aujourd'hui. Hein. Allez. Allez, les mecs. Miguel Babillon. Pour vous aussi. Barbier. Allez. Grégory et David. Allez les mecs, il y a du courage surtout. Hein, hein. On lâche rien, vous lâchez rien. Ne les mésestimez pas, vous lâchez rien. Et régalez-vous. Hein. Capitaine exemplaire à Mâcon. Aujourd'hui, tu redeviens soldat, mais tu es soldat redoutable. Soldat redoutable. En plus, tu es libéré de certaines tâches comme ça de direction. Ils sont lourdes. Alors, Béo, grand match. On ne peut rien lâcher. Les gens attendent tellement de nous qu'on ne peut rien lâcher. Et on est confiants. Si on y est dans le truc. Là. Ok, les gars. Alors, on se regarde un peu dans les yeux. Regardez les copains, là. Prends tout vos... Que vos revers se croisent un peu. Et qu'ils se croisent un peu à la fin du match. Nos lancements de jeu sont précis. Ils sont précis, les gars. Vous êtes bien pigés, chacun joue pour l'autre. C'est ce qu'il y a de plus beau dans un jeu de ligne. Et on va l'envoyer. Et on va être ambitieux. Et pour ça, il faut être libéré. Il faut être libéré. Ainsi qu'on va jouer. Rien ne peut nous arriver. Touch, hold, pause, pause, crouch, touch, I will say hold, means pause, engage, okay? I want you to concentrate on hold before the engage, you understand? Engage, we go together, push straight, right. Marseillaise.
Alors simplement, moi ce que je voulais vous dire par rapport aux objectifs que nous étions fixés pour que ce tournoi au moins deux soldats perdent. Hein. Donc d'une part c'était d'aller en finale, bon ça c'est clair. Le deuxième qui était très important c'était aussi de bien jouer. Et je crois que ça aussi, le jeu que nous avons produit jusqu'à maintenant, bon, atteste du travail qui a été fait et donc surtout de votre implication, et ça je vous en félicite. Même si encore il y a des petites erreurs, on le sait, il y a encore des problèmes de finition, des problèmes peut-être de stratégie à des moments. Bon. Et tout ça, ça fait partie de votre formation. Et heureusement qu'encore à votre âge, il y a encore des choses à améliorer. Et tout cela, c'est très satisfaisant. Le troisième objectif, on ne va pas se le cacher maintenant, et hier on vous en a parlé, et Jean-Claude vous en a parlé, il faut être, savoir être égoïste, et c'est quand même la victoire maintenant, hein, bon, être arrivé si près du but, et ça c'est votre truc, et vous allez le faire ensemble, et ça c'est très clair, et j'ai pas besoin de vous faire un dessin par rapport à ça. Et bon anniversaire. Thank you.
Des dés débordus, supporter du rugby comme Toulonnais. C'est qui là? C'est pour ça que j'ai la voix comme ça. Dolé, je vais filmer ça. Défensivement, on a dit impérativement qu'on les empêche de lancer le jeu. C'est-à-dire on se sert et on fait mal. Merci, bonjour. Bonjour. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. C'est votre événement, c'est votre match, c'est votre équipe, c'est votre parcours. Donc ça, intégrer ça, c'est à vous. Hein. Faites-en quelque chose d'important. C'est là-dessus qu'on se motive pour aller plus loin. Donc gardez ça de façon très forte en vous. Et puis c'est important aussi pour le rugby français, hein, pour l'image qu'on peut donner à travers les autres disciplines sportives. Chacun aujourd'hui défend son territoire. Eh bien, vous appartenez à un sport qui gagne, à une fédération et à un sport qui fait le maximum pour vous permettre d'être au sommet. Alors, ce qu'on espère bien évidemment, c'est que cet après-midi, eh bien, vous ferez un grand match. Soyez vous-même, soyez ce que vous avez su être jusqu'à présent. Faites-vous plaisir et puis prenez la chance si elle passe et marquez des points. Ce serait très bien qu'on fête ensemble le titre de champion du monde. Voilà, bonne chance à tous. Vous êtes une équipe exceptionnelle. Je n'ai pas vu d'aussi bons joueurs depuis l'équipe de Fabien Pelouse. 10 ans. 10 ans à Madrid où on a été champion du monde. On l'a été parce qu'on était les plus forts. Parce que dans leur tête, ils étaient les plus forts. Et vous êtes les plus forts, les gars. Vous avez une équipe exceptionnelle. Mais mettez-vous ça dans la tête. Et jouez en équipe, ce qu'on vous a dit. Hein. C'est la volonté. Une finale, ça ne se perd pas. Pour ma part, j'en ai perdu. Je peux vous dire que c'est très dur. Je ne veux pas vous voir pleurer tout à l'heure. C'est trop dur. Alors mettez-vous dans la tête qu'il faut la gagner. On la gagnera d'un point, mais il faudra la gagner. Il faudra la gagner peut-être intelligemment. Il faudra la gagner surtout avec de la volonté, avec de l'envie, de l'enthousiasme. Vous l'avez préparé, vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Vous oubliez tout, les gars. Tout ce qu'il y a autour de vous. Tout. Par contre, vous n'oubliez pas les principes qu'on vous a donnés. Vous n'oubliez pas la méthode, vous n'oubliez pas la discipline, l'abnégation, le courage, indispensable, la volonté. Tout ça, il faut que vous l'ayez tous. Tous, autant que vous êtes. Les 22 et les autres aussi qui ont participé. Voilà. Maintenant, ça va partir, mais ça. Hein? L'équipe, elle est à toi. Le match, il est à toi. La victoire, elle sera à toi. Vous la partagerez ensemble. Tiens, je te remets ton maillot. Et je sais que tu feras ton boulot. Il y aura des mêlées à faire. Hein? Il y aura des ballons à rattraper. Il y aura des gens à plaquer. Vous savez le faire, vous le faites. Avec encore plus de violence. Hein? Dans la légalité. Campo, toi, tu es le moteur. C'est le moteur, le talonneur, il doit être le premier partout. Hein? Il doit être la constance dans l'effort, la constance dans le plaquage, la constance dans les mêlées ouvertes, la constance aussi dans la force, hein? Et dans la pénétration. D'accord? Il y a un travailleur de l'homme, c'est toi, et on verra que toi aujourd'hui. Tu le sais très bien, hein? Et toi le petit, tu prendras tous les ballons en touche. On m'a dit que tu t'étais amélioré, bien sûr que tu vas t'améliorer, bien sûr, tu vas encore t'améliorer, et tu vas être encore le plus fort, le plus grand aujourd'hui. Hein? Tu peux le faire, tu vas le faire. Là où est le ballon, il faut que vous y soyez. Hein?
Quand il y a des essais à marquer, c'est vous qui les marquez. Quand il y a des ballons à récupérer, c'est vous qui les récupérez. Vous devez être partout. On ne doit voir que vous. D'accord? Toi, tu es le plus jeune et tu dois être le patron. Hein, tu es le plus petit de l'équipe. Un an de moins, ils t'ont accepté, t'as vu? Hein, ils t'ont intégré. C'est toi qui dois les commander, c'est toi qui dois être le chef, c'est toi qui dois mener la barque. Hein, d'accord? Tu le feras? Et n'aie pas peur des engueuler tes avants. Ils en ont besoin, tu le sais très bien. Ça ne peut marcher que comme ça. Toi, l'intelligence. Hein, l'intelligence, tu dois rayonner sur tout le terrain. Avec le pied, avec la tête, avec les bras. D'accord? On ne peut pas jouer au centre sans être complémentaire, sans être en permanence en contact l'un avec l'autre. Vous le savez? Hein? On se parle en défense, on se parle en attaque. On est toujours en contact. Les difficultés, on regarde l'adversaire, on regarde tout. On regarde le ballon, on regarde où va aller. On écoute et on commande. D'accord? Et les pattes. Tu vas marquer beaucoup d'essais, il faut que vous marquiez des essais. Si on a des essais à marquer, soyez bien concentrés. Et allez-y au maximum de vos possibilités. Hein? Elles sont grandes. Pardon. Tiens. Toi aussi. Je suis content de te retrouver avec le sourire. Je pensais que c'était une année noire pour toi. J'espère que tu es champion du monde parce que tu le mérites. Je voudrais que tu fasses un match sans faute. Sans faute, c'est tout. C'est tout. Voilà, tu seras le plus fort. Hein? C'est pas la fin du monde. Hein. C'est loin d'être la fin du monde, les gars. Hein. C'est un événement, un super événement pour vous. Vous allez vous éclater dans le jeu qu'on a mis en place. Hein. On sait où on va et comment on y va, on le sait. Hein, donc, aucune pression, hein, qu'on ne soit pas inhibé par rapport à l'événement. Rappelez-vous contre les Bocs. Première action, participation de tout le monde. Et c'est au bout. Quelle merveilleuse entame là. Hein? Et psychologiquement, ça marque l'adversaire. Allez, ça vous donne en plus de bouffer d'oxygène, ça. Surtout que chaque geste que vous fassiez, il y ait la notion d'avancer. On a fait un geste, on a permis à l'équipe d'avancer. C'est important. Là, on sera efficace. La Rudy, hein? Elle est un homme de la rade. Tu sais ce que ça représente, la voiture pilier. C'est pas être de couleur, là. Hein? Moi, Julien, la roche aussi, c'est ce que c'est, la rugby de force, de courage. Pas de courage, c'est ça. À la régulière, mais vraiment, il faut que ça pète de partout. Hein. Alors, vous avez aujourd'hui, là, je crois que vous avez un droit de change à relever, parce que eux, leur point fort, vous l'avez vu, hein, c'est 7 et 8. Hein. C'est 7 et 8, hein. Au niveau de l'impact. Alors là, on va se sacrifier, on va tout ce qu'il faut. Sur nos lanceurs et ça pique, on ne leur laisse pas un ballon. Alors quand je dis en premier de Goldstein, c'est ce que je pense. Hé Sébastien, tu le sais, putain, tu es en train d'éclater là. Tu te rends compte un peu ce que tu vas vivre aujourd'hui si tu fais un grand match et tu vas faire un grand match. Hein? C'est vrai que les grands, c'est pas facile le statut de grand. Je sais que c'est pas facile. Mais tu y es maintenant, tu es au top. Tu peux pas, tu n'as jamais été mieux que maintenant. Tu n'as jamais été mieux que ça. Allez, tu nous fais un grand match, Sébastien. Hein, Mathieu, pas te dire grand-chose, hein. J'avais vu timide un peu en début de saison, pendant le coup, là, tu y es, là. Là, tu y es, là. Alors, maintenant, on va encore de plus en plus fort, là. Et tu peux me serrer la main, tu peux y aller. Comme quand tu vas retourner les mecs, là. Hein, les hachés venus à la régulière. Allez, bon match, Mathieu. Vous avez vu l'émotion de Claude aujourd'hui encore, là. De Jean-Claude l'autre jour, de Pierre l'autre jour encore. Putain, mais vous représentez tout le rugby, là. Ne manquons pas l'occasion, les gars. Ne manquons pas l'occasion. Les scolaires ont gagné 5 matchs. Il faut qu'on soit champion du monde. Il faut qu'on soit champion du monde. Et je vous le répète encore, hein, ça va être au combat. Hein. Ça va pas être en rigolant, là. Il n'est pas question de rigoler. Ça va être très dur.
Il faut être féroce. Mais là, on va y aller, vous. On va y aller au mastic. Hein. On ne va pas se poser de questions. Thank you.
font du présent au combat. Pas de problème. Pas de problème. On a répondu présent, ils sont jamais venus chez nous. Par contre, il faut qu'on aille encore plus fort dans l'agressivité. Ce que vous avez fait à certains moments, il faut aller encore plus fort. Aller encore plus fort. Au niveau des avants. Ne partons pas dans tous les sens. Concentrons-nous, poussons. Concentrons-nous, poussons des actions. Première chose. Deuxième chose, vous l'avez bien fait deux ou trois fois, il faut continuer comme ça. Un ballon est au sol, c'est tout fait. Vous avez le goût du sacrifice. Vous avez ce goût du sacrifice. Ramassez, avancez. Ramassez, avancez. Et on va partir comme ça sur une séquence de jeu. Ramassez, avancez. Ça, c'est. Il faut qu'on y aille. Thank you.
Allez. Bien, grand match aujourd'hui. Hey, Mr. Ruff. T'as changé pour le contraire. Vous avez pissé ou pas? C'est un propre jeu. Oh, ouais, tout propre. Attends, bonjour, c'est bien. Hein. Oh, la tête à plus. Si tu vois mon père, tu lui dis bonjour, photo. Ça, c'est la mettre à ta copine, d'accord? Ah, mais je crois que tu me dis que tu vas me faire. Bonjour, le docteur. Il est violent, il est bien. C'est 5 minutes. Faut que je me coupe, là. C'est bien, cherche. Cherche quoi? Nico, cherche. May I ask you to the manager? Mais ça aurait le coup de lui montrer cette loupe à la fin du match et d'avoir son avis quand même. Très loin, dans l'axe, la court, tentative de Gara. Oh, c'est la barre. La barre a renvoyé. Benazi pour la contre-attaque. Le suc. Et Mercerot qui trouve la touche. Bon, c'était Berne organisé, côté français sous les poteaux. Ça aussi, ça fait partie du jeu, de bien être placé sous les poteaux. Vous allez voir la barre, le ballon qui touche la barre. Regardez là, l'Ossu qui était bien dessous, qui regardait ce ballon arriver de dos au buteur pour être sûr justement de ne pas être surpris par ce ballon-là. Rude
pour le lancer en touche. Le ballon pour Cloessy. Stringer a servi Galway. Stringer, O'Gara pour Driscoll. Wauquiez-Soult, attention à lui. Toujours en embuscade. Ballon toujours contrôlé par O'Kelly. Esterby a pu servir Stringer dans le fermé, les Irlandais, tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Cloessy, il est partout, partout, au four et au moulin. C'est très rare, oui, Cloessy est plié, Cloessy aussi, hein. Il a échappé la balle sur le contact, sur le bon plaquage de pelouse une fois de plus. Le sucre. Oh, le bon coup de pied derrière Dempsey. Dempsey contrôle la balle dans l'air de jeu. Loin devant, pour Émile Tamac, dans ses 22 mètres à l'arrière de l'équipe de France. Allez, va-t-il relancer Milou, c'est fait. Il embraye, il attend le soutien, il l'a à l'intérieur. Par Merceron, puis Benassi maintenant. Les Français ont franchi la ligne médiane. Lossuc, qui sert Glas. Glas pour Bory en position de centre, qui a redoublé avec Glas. Il fallait servir d'Almazo extérieur, il a préféré crocheter, attendre le soutien des avants. Il s'est fait prendre la balle. Attention, côté fermé. À la lutte avec Lossuc, qui se couche bien sur le ballon. Libère sa balle, comme il faut. Lièvremont maintenant pour l'équipe de France. Pelouse, derrière pour Merceron. C'est pas mal ça. Et Dempsey, il n'a pas beaucoup de choses à faire, sinon de renvoyer le ballon dans les bras ou de Tamac ou de taper directement en touche. Et bien il a tapé directement en touche. Alors, quand on n'est pas dans nos 22 mètres, il faut que le ballon rebondisse dans l'air de jeu avant de sortir. Et là, il n'était pas dans ses 22. Et donc, c'est une touche au point où le coup de pied a été tapé. Alors que vous voyez, il faut les taper pour lui. Ça, c'est aussi technique. Il était tout seul, pas de soutien. Et on tape dans le dos, on joue en avançant. Puis on met la pression et Lossuc se couche bien sur ce ballon. Et là, le soutien arrive avec Bory. Et le premier changement annoncé par Bernard Laporte tout à l'heure à la mi-temps avec Raphaël Ibanez, donc il remplace Marc Dalmazo comme talonneur, bien sûr. Qui était encore l'an passé le capitaine de cette équipe de France, Raphaël Ibanez. Et qui entre pour faire cette remise en jeu à la touche sur les 22 de l'équipe d'Irlande. Benazi à deux mains. Allez, une charge de Califano. Lossuc. Lossuc pour le drop, oui. Oui. Il va se rencontrer par Dawson. O'Driscoll a récupéré cette balle. Galway a servi O'Gara. Et O'Gara trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Le début d'ouverture de l'équipe d'Irlande ici, un gros plan. Il y avait le drop contré par Dawson. Le drop de Merceron. Il s'était bien mis en profondeur, Merceron. Peut-être pas assez. Oui, je vous disais tout à l'heure, ce sont les réflexes des sportifs qui ont fait du football gaélique. Le contre fait partie de leur éducation. Ça fait deux fois qu'il utilise à merveille les Irlandais sur Merceron. Remise en jeu sur la ligne médiane. Ibanez pour l'équipe de France. Prise de balle pelouse, le capitaine. Lossuc attend cette balle. La voilà. Une chandelle. Allez, il faut aller en l'air, il faut lutter. Ce que fait Bory. Humphreys n'a pas contrôlé, il a fait un en avant. Il n'y a pas avantage. Il y aura mêlée pour l'équipe de France. On alterne, c'est bien côté français, en l'occurrence avec Lossuc. On joue au large, on joue en pénétration avec des bras, c'était très physique. Stéphane Glas, lui, qui joue plutôt le contournement avec ses appuis, et puis du jeu au pied par-dessus, c'est bien, on alterne. Lossuc. Oh oui, en force par Bory, tout en pénétration, Bory. Coste maintenant, son coéquipier de la SM qui a perdu la balle en route, qui récupère finalement le sucre. Merceron, c'est pas perdu, Ibanez. Il a du jus, Ibanez. Hein. Il a dit, à chaque fois que je rentrerai en équipe de France, ça sera showtime maintenant. C'est-à-dire que ça sera son moment. Hein. Et à chaque fois qu'il est entré, depuis le début de ce tournoi, il s'est fait remarquer, Raphaël Ibanez, déchargé du rôle de capitaine et surtout avec la fraîcheur physique de quelqu'un qui n'a pas joué la première mi-temps. Regardez, il utilise bien l'adversaire, il s'accroche à lui, il ne va pas au sol, mais il s'accroche à lui pour avoir un soutien.
pour être sûr justement de rester sur ses appuis. C'est bien joué tactiquement, c'est technique aussi ça. Il va bénéficier d'une pénalité justement pour une position de hors-jeu. Oui. Et le numéro 3 irlandais Hayes. Regardez, vous le voyez là. Oui, il est venu sur le côté. Oh, le coquin. Alors pénalité. Qu'il aurait dû venir derrière les pieds du dernier joueur. Il est venu sur le côté du recommun. On le répète, il faut venir par l'arrière. Tentative de pénalité, Gérald Merceron. Voilà la quatrième. Voilà la quatrième. Et c'est tout bon pour l'équipe de France qui mène maintenant par 19 à 7. Devant l'équipe d'Irlande. Il va en falloir un peu plus pour faire lâcher prise à ces coriaces d'Irlandais. Bien, avec Marc Nessé, ça serait bien. Allez, avec deux changements côté irlandais, c'est Paddy Jones qui rentre en deuxième ligne à la place de Galway. Et Andy Ward, au poste de troisième ligne, remplace Kieron Dawson. Oui, alors Paddy Jones, 58 sélections, c'est pas rien, c'est l'ancien capitaine de l'équipe d'Irlande. Quant à Ward, c'est un néo-zélandais déguisé en irlandais, tout simplement parce qu'il a épousé une irlandaise. Et Icky, lui, qui était sorti tout à l'heure sur scène humaine, eh bien, reprend sa place, ce qui fait que David Humphrey revient sur le banc de touche. La ligne de trois quarts irlandaise reprend sa position initiale. Rappelons-le, sur saignement, vous sortez, mais vous avez la possibilité de revenir sur le champ de jeu, comme vous l'avez bien expliqué, M. Abeillou, Jean. Allez, le voilà d'ailleurs. Il kick à croiser oh, Anderson. Avec Anderson, attention. Il est isolé, Anderson. Gori peut donner à Coste. Le ballon récupéré par les Français dans leurs 22 mètres. Le suc. Icky à la réception. Icky qui slalom, qui entre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Mauvais contrôle du ballon par Esterby. Il y a en avant, il y aura mêlée et il y aura introduction pour la France sur les 22 mètres des Bleus. Attention à ces Irlandais, ce sont des coriaces. Bonhomme vert, il vous le prouve. Ils ont mis du 109 en plus. Et oui, à 19 à 7, rien n'est perdu. Et vous le voyez, regardez la belle passe dans le dos de Icky pour Anderson qui va prendre le trou. Heureusement pour nous, au contact, il va perdre le ballon. Les Irlandais qui ont fait entrer leur Saint-Patrick, en l'occurrence Patrick Jones, Paddy Jones. Parce que Bory avait récupéré la balle sur une passe un peu haute pour Coste qui lui va sur le contact de Dempsey résister, récupérer la balle et attendre que la famille française vienne autour de lui. Attention à ces diables d'Irlandais. Le match n'est pas fini pour eux, loin de là. Il ne faut rien lâcher. Hein. Stringer. Sur les 22 mètres de l'équipe de France, cette poussée irlandaise. Stringer pour O'Gara. O'Gara pour Anderson, droit, hein. Toujours droit Anderson. Et oh, encore un qui c'est un Driscoll. Oh, Driscoll. Ah oui, c'est une fusée. Il a un turbo, ce joueur. Je vous dis, sur 15 mètres, personne ne lui résiste en Irlande. Sur 30 mètres, seul l'ailier qui va aussi vite que lui. Quel joueur, regardez, alors que vous allez voir là. La passe à hauteur pour Anderson, joueur très physique qui va donner à O'Driscoll, et c'est imparable au milieu des poteaux. Et Bernard Laporte, vous l'avez signalé, attention au centre du terrain côté français, on s'est fait transpercer beaucoup en cet après-midi. Et une fois de plus, Anderson, joueur très physique qu'on n'utilisera pas dans le jeu de fluidité, mais plutôt dans le perce-muraille. Si on ne le stoppe pas sur la ligne d'avantage, il va nous jouer dans le dos comme cela. Et attention, les carottes peuvent être cuites. Attention à l'arrivée. O'Gara a transformé l'Irlande, revient. 19 pour la France, 14 pour l'Irlande. Deuxième essai d'O'Driscoll qui a une formation de joueur, de sportif polyvalent. Il a joué au football, il a joué au football gaélique. Et il est handicap 9 au golf en ne s'entraînant pratiquement jamais. Ah, il est talentueux quoi. Il est talentueux, voilà. Et celui-là aussi qui soude, il l'est, regardez. Devant c'est lui, derrière O'Driscoll. Les deux meneurs, c'est équipe irlandaise. Allez, O'Gara, bien pris. Je pars dessus, mais Thomas Lièvremont bien placé à la relance. Lui aussi très physique, oui. Il va chercher le contact. Il excelle dans ce jeu de couverture, Thomas Lièvremont, il aime ça. Hein. Tamac sur la ligne médiane. Oh, bien joué, la part de Coste. Oui, Benazzi a passé des bras. Il a trouvé Glas qui échappe à Stringer. Glas attend du soutien. Voilà, c'est fait. Glas peut faire ce qu'a fait O'Driscoll. Hein, c'est le même style de jeu, des joueurs avec des appuis qu'on ne sollicite pas physiquement, comme des joueurs comme Benazzi ou des brosses. C'est plus la fluidité chez eux. Boris, l'ailier qu'on sollicite beaucoup au centre en équipe de France.
Dempsey à la réception pour les 20. De arrêt de volée. Il va vite la jouer. Alors, l'arrêt de volée est accordé parce qu'il est dans ses 22 mètres. Hein. Voilà. Oui, deuxième changement chez les Français, certainement avant cette touche, puisque Lionel Mallier va remplacer Abdelatif Benazi au poste de troisième ligne. Alors que pour l'instant, le jeu est arrêté car c'est Fabien Pelouse qui est touché là-bas d'autre côté. Mallier pour une première dans le tournoi. Fabien Pelouse reprend sa place. Allez, voici l'entrée de Lionel Mallier et la sortie de Benazi. Donc. La remise en jeu va être effectuée par l'équipe de France dans son camp. Raphaël Ibanez à hauteur des 40 mètres. Pelouse à deux mains. Relais de Califano, immédiatement plaqué par Cloessy. Merceron dans le dos de Hickey. La balle reste dans l'air de jeu. Hickey sous la pression de Merceron dégage, rate complètement son dégagement. Moralité, c'était bien joué de la part de Merceron. Alors que Dempsey l'a pelé au milieu des poteaux, elle a demandé la passe pour s'ouvrir l'angle avec son pied droit, mais lui n'a pas entendu avec son bandeau, je suppose. Il y a des petits problèmes de communication entre eux. Jean Abeyou, si vous voyez passer Abdelatif Benazi, ne vous gênez pas. Hein. Et pour l'instant, on le laisse un petit peu récupérer, car carrément, il est sorti essoufflé, Abdelatif. Ah oui, c'est dur. Hein. Avec du volume de jeu aujourd'hui. Oui. Dans les 22 mètres irlandais, les Français déroulent bien. Tentative d'échapper de Mallier. Qui libère sa balle. Bonne défense des Irlandais. Le ballon est toujours pour les Bleus. Lossuc. Lossuc pour Merceron. Des brosses. Il n'a pas fait beaucoup de passes, des brosses. Hein. Immédiatement au contact avec la défense. Eh oui, très, très. Ouh là là. Eh oui, monsieur Paddy Jones. Pénalisé, les Irlandais, c'est normal. Il est venu sur le côté, il va prendre un carton jaune. Regardez, vous le voyez là, le numéro. Eh bien, 18, c'est un événement. Paddy Jones qui est venu sur le côté. Oui. Eh bien, c'est le premier carton jaune irlandais dans ce tournoi. Cela devait arriver, cela arrive. Et cela tombe sur ce bon vieux Paddy Jones, le Saint-Patrick irlandais, ancien capitaine, qui a abandonné son cabinet de dentiste pour se consacrer complètement au rugby. Ancien joueur des Saracens. Depuis deux ans. C'est vraiment un joueur très correct, hein, Paddy Jones. Hein. Mais il est pénalisé sur une faute technique plus que sur un mauvais geste. Mais là, il est venu sur le côté du regroupement alors qu'il aurait dû venir par l'arrière, logiquement pénalisé par M. Onis. Et ça nous fait une belle opportunité par Merceron. Il est passé 3 points de plus. Et bien voilà, ça tombe bien pour l'équipe de France qui mène maintenant, grâce à cette cinquième pénalité réussie par son buteur, 22 à 14. Et il n'y a plus d'équipe vierge au plan des cartons jaunes dans ce tournoi. Alors que David Humphrey revient sur la pelouse, cette fois c'est un remplacement définitif. Humphrey remplace à l'ouverture O'Gara. Alors attention à Humphrey, on vous l'avait dit, O'Gara est plus d'un joueur au pied, Humphrey est plus d'un joueur à la main. Oui, mais on rappellera que l'an passé, à la dernière minute du match, Humphrey avait la pénalité de la victoire contre la France et il a raté cette pénalité, la France a gagné à Dublin. Je crains que ça se reproduise avec une marge plus importante aujourd'hui. Merceron. Sous la pression, Merceron. La balle est sortie en touche à peu près à hauteur de la ligne médiane. Alors je vous rappelle qu'après ce direct, que vous suivez en notre compagnie, eh bien, il y aura évidemment en stade 2, avec des invités de l'équipe de France et l'équipe de Calais qui s'est illustrée en Coupe de France en éliminant Strasbourg hier en football. Paddy Jones, Postringer. La balle Humphreys a servi O'Driscoll. Oh, oh, regardez cette passe encore. Fabuleuse passe d'O'Driscoll. Face à la défense. Ça c'est fort. Hein. À la corne, comme dirait Bala. Ah, je suis émerveillé à chaque fois que je joue au Driscoll, mais je ne dois pas être le seul. Hein. Alors que Stringer peut servir Wood. Enchaînement de Ward. Stringer choisit le côté fermé, sollicite. Max au contact sur des brosses. Et alors que Humphrey se met en position de demi-mêlée pour essayer de récupérer cette balle.
Et alors que M. Onis estime que Desbrosse s'est mis en opposition du ballon pour l'empêcher de sortir, pour ralentir le jeu, et logiquement pénalisé. Regardez la passe encore devant Stéphane Glass, dans les yeux. Cette passe un petit peu retardée sur son ailier. Il va révolutionner le jeu des Verts, Driscoll, c'est certain. Quel passeur, regardez sous un autre angle. Bel angle de Jean-Marc Henry d'ailleurs, regardez, hop, devant, même si le plaquage est fabuleux de Stéphane Glass, il est battu sur la passe. Et il a 21 ans, hein. Ça promet. Pierre ? Oui. On va peut-être demander à Abdel qui a récupéré un petit peu. Vous êtes impressionné par ce jeu irlandais ? Est-ce que selon vous, il est un petit peu en mutation ? Ah, écoutez, on n'était pas d'abord surpris par leur engagement féroce et le combat qu'ils allaient y mettre. Et en plus, là, bon, ils jouent. Ceci dit, nous aussi, on ne leur pose pas de problème. C'est dommage qu'on concrétise nos occasions. Mais bon, c'est un match assez plaisant, avec beaucoup, beaucoup d'engagement physique. Et assez... je dirais, il y a pas mal d'espace à faire. Il y a pas mal de mouvements de jeu, c'est pas mal. Merci, Abdel. Oui, mais Humphreys vient de passer cette pénalité pour l'équipe d'Irlande, qui revient au score, hein. 22 pour la France et 17 pour l'Irlande, qui ne lâche rien. Et non, on n'est pas à l'abri d'un essai transformé. Ou alors que là, la faute, quelle faute du demi de mêlée Stringer sur le renvoi de Londe. Regardez, passe en avant. Ça, c'est à l'école de rugby, on vous l'apprend, toujours tourner le corps. Ne jamais faire face à la balle, toujours être décalé de trois quarts pour éviter ces erreurs de gamin. Faut pas pousser vers l'introduction en mêlée. La deuxième jeunesse de Cloessy face à Turner. Que la pression cette fois-ci à l'Irlandaise sur la mêlée. Le sucre dans les 22 mètres. L'a pris par une tenaille irlandaise. Je ne comprends pas qu'on envoie Stéphane Glass au contact. C'est plutôt du Desbrosse qu'il faut envoyer. Le suc. Allez, Bory. Bory très sollicité au centre. Le ballon pour Turner. Dans le petit jeu, on va fixer ces Irlandais. Merceron. Mauvais contrôle de balle. Desbrosse. Et on recule sur cette attaque. Voilà les Français renvoyés sur la ligne des 22 Irlandais. Il va se mettre en profondeur, Merceron pour le droit, voilà ce qui est fait. Oh le poteau ! Le poteau. Et la balle se retouche au-delà des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Regardez là, cette fois-ci, c'était bien mis en profondeur, bien plus loin. Et le drop qui part, un peu en feuille morte, regardez, bang, le ballon. Touche le poteau droit. Oui, et bien ça va s'ajouter au bilan des occasions manquées par l'équipe de France depuis le coup d'envoi. On le répète, je compte que ce ne soit pas justement à l'encontre de l'équipe de France, puisqu'elle a fait beaucoup de jeux aussi aujourd'hui, mais elle ne concrétise pas ses occasions perdues, une fois de plus. Rosé pour le sud, Coste qui sollicite Malier en rafle. Libéré, le sud. Les Français contrôlent toujours la balle, essaie de s'approcher des 22 mètres irlandais. Le suc, Merceron, alors qu'on a une position de hors-jeu, centre, voilà ce que signale M. Onis. Oui, parce que là, c'est injouable. Hein. Anderson. Là, c'est injouable. Non. Non. Laissez-les jouer. Laissez-les jouer, surtout, de ne pas se mettre hors-jeu comme Anderson. Et ça donne une opportunité à Merceron d'aggraver la marque et de se libérer de de ces 7 points fatidiques qui nous permettraient justement de voir la fin du match avec un peu plus de sérénité si bien sûr ils réussissent cette pénalité face au poteau. On n'a pas droit à l'échec, on le sait quand on est buteur, on nous permet des coups de pied en coin loupé mais pas face au bar. Je rappelle que les Irlandais sont toujours en infériorité numérique parce que vous l'avez vu, Paddy Jones purge 10 minutes d'expulsion temporaire. Et vous le voyez là, elle est droite, elle est au milieu, elle est parfaite. C'est la sixième pénalité réussie par Merceron. Vous avez pu voir l'attitude relâchée au niveau du visage de Merceron et ce coup de pied qui passe au milieu sous des angles de Jean-Marc Henry. Et il lui reste 2 minutes 30 à Paddy Jones, exactement. 25-17. Il faut en profiter, ils sont à 14 à ces Irlandais pour enfoncer le clou et se prendre une marge plus conséquente. Mauvais contrôle, encore la balle se retouche. Et Brouzé qui fait en avant sur la réception.
Les bleus sont fébriles, hein, Thierry, là, en ce moment. Mais oui, non, mais trop de ballons perdus. Alors, est-ce que c'est dû à une fatigue ou pas? Regardez, les mains étaient mal orientées, auraient dû se tourner vers son camp pour éviter justement cette erreur-là. En tout cas, c'est une mêlée à 25 mètres du camp français. Et un fameux O'Driscoll côté irlandais qui va encore essayer de mettre le feu aux poudres. Stringer, ballon contrôlé en troisième ligne. Humphreys a sollicité Anderson, a doublé avec Humphreys, oh, c'est bien joué ça, et qui est croisé avec Dempsey. Les Irlandais plaqués sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. On a bien défendu côté français alors que l'action, le mouvement était beau côté irlandais. Tamak. Allez, Mille, il l'a vu derrière Anderson, ce coup de pied. Et qui en couverture pour l'Irlande. Et qui sert Stringer, qui élargit pour O'Driscoll, qui remet un pas dans l'intervalle, qui est en soutien, qui peut servir Paddy Jones. Et les Irlandais toujours menaçants par Wood, plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de France, alors qu'un joueur français est à terre. Califano. C'est Califano, oui. Il est secoué sur la percussion et le plaquage. Humphrey, attention à lui. Donc Califano manque dans la ligne de défense française en ce moment. C'est comme si les Français jouaient à 14 contre 15. Ça y est, reprend sa place, Califano. Stringer pour O'Kelly. Plaqué par Pelous. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez. Encore. Heureusement. Il a sifflé. Ils ont fait en avance, les Irlandais. On l'a dit. Ils vont jouer jusqu'au bout. C'est pas suffisant pour eux, 25-17. Et l'Irlande récupère Paddy Jones. Ça y est, il a purgé ses 10 minutes. Hein. Dites-moi, Jean Abeillou, n'allons-nous pas procéder à des changements côté...